Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets. What's up, bande de geeks, bienvenue sur Real Gaming. On va faire le boxing du dernier collector de Mortal Kombat. À tout de suite. Taking your place, yeah, I'm making my property. Maybe a game that you probably deserve your life for me. So it's only right for me. Annihilate a myth that you're my way of sight. Can't keep them up off of me. A weakness in you only make an appetite. Anytime I get into it, I be looking at them, looking pitiful and unconditioned, I be critical. Nothing less than original. What's left to end of you? Who's next? Finish him! Bien voilà, comme vous avez pu le voir avec ce petit trailer alléchant, nous allons nous attaquer aujourd'hui à l'unboxing de la version collector du dernier Mortal Kombat 10 qui est sorti aujourd'hui même, c'est-à-dire le 14 avril, et enfin disponible, parce que ça fait super longtemps qu'il est annoncé, ça fait super plaisir. Le collector m'a l'air assez alléchant, mais avant de s'attaquer au collector, il y avait un petit goodies offert avec la réservation du jeu, qui était ni plus ni moins le t-shirt de Mortal Kombat. Voilà, avec le logo Mortal Kombat. Je crois qu'il y a un petit logo, voilà, un petit logo sur la manche également. Donc bien sympa, ça fait un t-shirt en plus. Ça fait toujours plaisir, comme on dit. Mais si on est là, c'est pour s'attaquer à la grosse version collector. Donc ben, on va regarder un petit peu le packaging, comment il est foutu. Donc d'abord on a le premier artwork qui représente notre ami Scorpion, qui est je pense le personnage le plus célèbre de la série. C'est toujours lui qui est un petit peu mis en avant. L'artwork est assez sympa. Le collector est basé aussi sur ce personnage, on découvrira après. Sur l'autre face, nous avons le logo Mortal Kombat X. La face, autre face extérieure, nous avons le même logo. Nous avons au dos, eh bien, le contenu du collector, que là, nous allons découvrir ensemble. Nous avons un logo Mortal Kombat au-dessus et rien du tout en dessous, bien évidemment. Donc, ça se présente comme d'habitude, avec un petit fourreau à descotcher sur le dessus. Et à lever ensuite, je suppose. Ah, il y avait aussi des petits scotch en dessous que j'ai oublié de faire. Heureusement, j'ai toujours mon petit ciseau avec moi. Enfin, ma petite paire de ciseaux. Voilà. On fait ça, évidemment, super délicatement. Et cette fois-ci, normalement, ça devrait fonctionner. Moi qui ai encore un petit scotch quelque part. Non, ça m'a l'air tout bon. C'est juste que c'est un peu serré. Voilà, voilà. Vous avez le fourreau qui s'enlève. On va le passer comme ça. Voilà. Et nous avons la fameuse boîte en elle-même. Et là, nous retrouvons l'artwork de Scorpion qui est le même que sur le fourreau, devant et derrière. Et deux autres faces, nous avons
le logo Mortal Kombat X, donc qui est le logo Mortal Kombat qui est assez classe. Hein. Ça s'ouvre par le dessus comme ceci, voilà. Donc évidemment, on a la grosse figurine qui prend toute la place. On va déjà la sortir, on l'ouvrira après. Voilà, ça se sort comme ça. Essayez de faire attention. Je vais en mettre sur le côté pour l'instant. Voilà comment ce qui reste. Vous avez un espèce de petit fourreau comme ça. Bon, je vais mettre la boîte à terre. Voilà. Vous avez un autre fourreau comme ça. Et dans ce fourreau, vous avez bien évidemment le steelbook du jeu. Je présente comme ceci. Petit bémol. Pas de titre sur la tranche. Ça. C'est un petit bémol. Alors, nous avons, qu'est-ce que nous avons ici à l'intérieur? Donc, nous avons le code pour le costume doré de Scorpion. Donc, je crois qu'il faut introduire le jeu. Bon, il faut aller sur le site mortalkombat.com pour avoir des bonus, ce que je ferai tout à l'heure. Ça, c'est le skin doré de Mortal Kombat, enfin de Scorpion. Sachez que l'autre gros collector qui est super ultra collector, qui est même pas disponible en Belgique, comporte cette figurine-ci avec une édition spéciale que vous pouvez retrouver dans mon descriptif de quel collector réservé en ce début d'année avec la partie Mortal Kombat. Donc je suppose que vous avez vu cette vidéo. Et nous avons le code pour jouer avec Goro. Donc deux codes en DLC. Ensuite, bien évidemment, vous avez le jeu. Ce serait quand même malheureux de ne pas avoir le jeu. Donc c'est la version PS4, j'ai pas précisé. Donc la version Xbox One, il y a un collector. Et vous avez une carte argentée. Voilà. Qui donne le numéro de série du collector. Donc il y a 70 000 exemplaires dans le monde. Le mien, c'est le 10 908e. On a quand même 70 000 exemplaires de ce collector dans le monde. C'est quand même pas mal, vous allez me dire. Donc voilà, pour ce qui est du steelbook et du jeu en lui-même. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, ça, c'est le fameux comics. Il y a un comics qui est disponible, qui à mon avis sera le premier d'une longue série. Évidemment, tout en anglais, donc ça c'est un problème pour moi, mais c'est dommage pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Voilà un petit peu pour vous faire une idée. Le dessin, je trouve pas que c'est propre. Voilà, on voit bien que il lance le comics. Mais bon, est-ce que ça va être disponible par chez nous ou est-ce qu'il faudra les commander sur internet? Ça, j'en sais pas plus. Je sais qu'ils avaient déjà fait un ancien comics, mais il y a assez une bonne dizaine d'années, je pense, sur le Mortal Kombat. Donc voilà, et évidemment, la pièce la plus importante de ce collector, c'est évidemment la très très grosse figurine, hein, qui est assez jolie. Donc on va un petit peu regarder les détails d'en retour. Donc ce sont des plastiques à 10 pulsés. Elle est en un seul morceau. Voilà, magnifique. Vraiment plus que magnifique. Très très jolie. Donc voilà, nous avons notre ami Scorpion qui s'apprête à s'élancer sur son adversaire. J'espère que vous la voyez correctement. Voilà, je vais essayer de vous la montrer dans tous ces angles. Voilà, très 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 joli.
Les finitions sont vraiment très bien faites, on dirait du McFarlane. Vous avez sur le sol, sur le socle, vous avez un crâne, une colonne vertébrale et des os. Et en dessous de la figurine, nous avons simplement les sponsors, Netherim Studio, etc. Donc voilà, superbe figurine. Et à mon avis, vaudra son petit pesant d'or dans quelques années. Vraiment très très jolie figurine. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc, je pense que la meilleure posture c'est avec en diagonale comme ça. Ça donne pas mal. Donc voilà. Mais écoutez, je vous ai présenté ce très beau collector que j'attendais depuis un certain temps. Je pense que pas mal de personnes l'attendaient. Le jeu m'a l'air absolument énorme, m'a l'air vraiment très très bon. Donc j'ai hâte de m'y atteler et de l'attaquer. Donc voilà, c'était Ryu cette présentation. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Faites chauffer les consoles, faites chauffer Mortal Kombat. A plus.